Ce n'est pas simple pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup Sophie. Et la deuxième, que Sophie ne voulait pas de ce discours, ni au fond de ce pot, ni de rien. Que Sophie voulait partir comme ça. Allez vous saluer, naturellement, elle l'aurait fait. Mais elle ne voulait pas de ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous ne voulez pas vraiment, enfin, bon, c'est toujours compliqué. Mais ce n'est pas simple. C'est pas simple parce que Sophie, je crois que Sophie, tu travailles au Mémorial depuis 10 ans environ. Sophie est la première personne que j'ai recrutée dans cette maison. Et Sophie a donc participé, comme beaucoup de vous ici, beaucoup d'entre vous ici, tout le monde ici, à ce qui est devenu ce nouveau mémorial, à sa reprise en main, à cette longue traversée qu'on a faite ensemble depuis des années. Et en fait, je me souviens vaguement de mon premier entretien avec Sophie. Et en fait, Sophie était exactement ce que je voulais que le mémorial devienne. C'est-à-dire que Sophie m'a paru, à l'évidence, honnête, sincère, humble, pas mondaine, c'est-à-dire tout ce que nous devions être collectifs. Sophie ne confond pas les mondanités et l'amitié. Et Sophie, pendant 10 ans, a partagé... J'aime pas le mot combat, j'abandonne ça en politique, mais à partager toute cette histoire, qui a été une histoire compliquée, parfois dure. On a traversé des moments très durs, notamment sur les questions de quelques crises dures. Et Sophie a toujours été aux avant-postes de nos difficultés. Et je n'ai jamais vu, en 10 ans, Sophie douter, faillir, renoncer, y compris aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, continuer de bosser. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable parce que Sophie, au fond, à sa manière, a été, pendant ces 10 ans, d'une certaine manière, notre porte-parole. Elle a porté la parole de cette maison, partout où elle le pouvait, évidemment auprès des journalistes, mais pas seulement. Et cette parole a toujours été positive, et cette parole a toujours été loyale, et cette parole a toujours été claire. Et donc, Sophie, moi je voulais te rendre avec tous les collaborateurs présents ici, et d'autres, Patrick Nicole, quelques journalistes, d'autres qui vont venir, te rendre cet hommage. Et je voulais du fond du cœur te remercier. Tu es la seule personne que je tutoie dans cette maison, donc je te remercie non seulement à titre professionnel, mais à titre amical. Et te dire que ton départ, je pense ne pas être le seul ici, me fait de la peine. Voilà, tu as fait un choix qui est tout à fait normal, légitime. Tu as préféré Bertrand au mémorial. Je vous la rendrai peut-être. Ouais, on ne comprend pas tous. Franchement, on ne comprend pas tous. Mais bon, il y a des choses que tu dois nous cacher naturellement. Mais tu as fait un choix qui est évidemment tout à fait respectable et que nous respectons, qui va de soi. D'une certaine manière, je sens aussi une génération qui va commencer à disparaître. Ouais. J'ai un peu l'impression que tu m'as ouvert la porte. Voilà. Je me sens déjà avec ton départ un pied dehors, une chaussure dehors. Mais ça, c'est la vie et c'est comme ça. Et donc voilà, je voulais très sincèrement, très sincèrement te remercier de tout, de ton boulot, de ton amitié, de ta gentillesse. Et je pense que si tout le monde est là ce soir, c'est pour te dire exactement la même chose. Voilà. Tu as été formidable. Oh, merci. Merci.
me lance, mais vous savez, je déteste parler en public, mon métier c'est de faire parler les autres. Alors il faut être indulgent. Alors je vais vous dire pour commencer, comme au César, que je remercie tout le monde, la famille, mon mari, l'équipe et tout ça. Bon, les 10 ans sont passés très vite. Alors, ironie de l'histoire, en 1988, j'étais alors jeune attachée de presse parisienne et nous avons gagné un appel d'offres pour la relation de presse. En vue de l'inauguration du Mémorial de Caen, j'ai fait beaucoup d'allers-retours Paris et Caen et je ne connaissais même pas mon mari. Puis je l'ai connu et je me suis installée à Caen. Stéphane m'a embauchée, le mémorial est presque 30 ans après, j'ai décidé de partir pour de nouvelles aventures. La boucle est bouclée, mon dernier employeur sera sans doute le mémorial de Caen. Revenons un tout petit peu en arrière à la manière de Lelouch. Au début, je souhaitais être journaliste. Et tout de suite convaincue par mes talents d'écriture, les publications Philippe Aki m'ont engagée au journal Salut. Certains s'en souviendront peut-être. J'ai tenu une rubrique hebdomadaire de grande qualité qui se nommait Sophie c'est tout. Les potins du showbiz. Forte de cette expérience des alcôves, je suis devenue attachée de presse dans le showbiz, où là je me suis occupée d'artistes, de téléphone à Tino Rossi, en passant par Supertramp, Plastic Bertrand, Julien Clerc, Françoise Hardy, et d'autres, croyez-moi, ce n'en a pas été triste. Mais fatigant de suivre les tournées, j'ai préféré me tourner vers d'autres secteurs culturels et institutionnels, les scènes d'or, Roland-Garros, enfin bref, les Jeux Olympiques. Puis, nouveau tournant, je suis arrivée à Caen. Par amour, j'ai réalisé mon rêve d'avoir un enfant, Tim, doté de 3 frères et sœurs, et j'ai intégré l'agence DBL, bref, avec Marie-Ève Moulin, qui n'est pas encore arrivée. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Stéphane Grimaldi, ami de mon bâtonnier de mari, qui m'a proposé de m'occuper des RP ou des mondiales. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai commencé mon mémorial, j'avais peur que ça soit statique et un peu monotone. Mais c'était sans connaître Stéphane qui est tout à fait rock'n'roll. Avec lui, c'est 100 000 votes. Et tous les services doivent suivre le rythme, c'est-à-dire tout bonnement génial, même si le patron refuse mes interviews un peu people quelquefois. Elle est déçue. J'ai adoré travailler ici, mais j'ai aussi quelquefois été très speed, un peu agacée, tout ça, faut m'en excuser auprès de certains. Et j'ai sans doute eu des travers qui ont sans doute irrité plus tard. En effet, si un des journalistes souhaite avoir une information, je vais tellement lui répondre vite que je bouscule toutes les conventions pour pouvoir les renseigner. Je rentre dans le bureau de Stéphane Grimaldi ou d'Isabelle Sauvé sans aucune gêne, qu'importe avec qui il est, où elle est. Je coupe la parole à Franck Moulin alors qu'il est en réunion. Je dérange Isabelle Bournier alors qu'elle écrit une recommandation où elle est avec les historiens en pleine réflexion sur les rénovations d'un parcours. Marie-Claude Berthelot à qui je demande 40 visuels libres de droit instantanément et qui est en plein archivage. Et je ne parle pas du restaurant où je viens très souvent lors des plaidoiries, nous arrivons à 16 alors que nous avions réservé pour 8. Même à la maison, j'avais le téléphone greffé à l'oreille pour être sûr de ne pas passer à côté d'un coup de fil d'un journaliste lamenté Bertrand. Alors pardonnez-moi et soyez rassurés, vous n'aurez plus ces intrusions permanentes. Pour le téléphone à l'oreille, Bertrand, c'est pas gagné. Cette agitation, vous l'aurez moins. Linda est beaucoup plus posée que moi. Et aussi, je la remercie vivement, elle, qui m'a supporté avec mon bureau, avec mon bordel, mes énervements. Et ma mère, qui m'appelle régulièrement pour demander des recettes de bœuf bourguignon. Et aussi, Vincent, qui a été un fidèle assistant pendant la pause de Linda. Enfin, ce qui va me manquer, c'est vous tous. Voilà. Nous faut rire avec Sandrine, Nathalie, Clotilde, Isabelle, Linda, parce que j'ai encore écorché un mot ou un nom et quelques boulettes historiques que j'ai pu faire. Ma visite tous les matins dans le bureau de Franck pour commenter les nouvelles du jour, style Sophie c'est tout. Ma venue dans le bureau de communication pour annoncer à Corinne, Laura, Pauline, Audra, Alice et Lilian toutes les maladies que j'ai attrapées pendant la nuit je suis hypochondriaque. Et enfin toi Stéphane, que je sondais tous les matins pour voir comment était ton humeur, tes pensées du jour, tes projets,
et tes prochaines idées qui allaient tout nous chambouler, notre travail. Alors oui, tout ça, ça va vraiment beaucoup me manquer. Et puis, j'aime beaucoup travailler avec les journalistes. Alors, il y en a quelques-uns encore, là, qui sont, mais ils ne sont pas encore là. Et je suis sans doute un peu frustrée, car je me sentais journaliste dans l'âme. Alors, je continuerai à vous lire, vous écouter et regarder. Mais je pourrais vous donner moins d'infos. Et Bertrand, tu sais ce qu'il nous reste à faire? La Corse, la famille, le sport, les amis. Et toi, continue un peu à travailler, comme ça, je pourrais t'aider. Et qui sait, peut-être bien des quelques informations que je pourrais donner aux journalistes quand même. Soyez rassurés, quoi que je fasse, je ne deviendrai jamais Sophie Serrien. En compagnie de Stéphane Grimaldi, directeur général de cet établissement, on fête ce soir, je ne sais pas si c'est une fête pour vous, en tout cas le départ de Sophie Bruno de la Salle, qui était votre collaboratrice depuis 10 ans. Et on a senti dans votre discours, que nos web spectateurs verront un petit peu plus tard, beaucoup d'émotions. Oui, ben oui, c'est parce que on a vécu 10 ans, elle a consacré 10 ans de sa vie à cette maison, moi aussi, mais on n'est pas les seuls, il y a 80 collaborateurs qui... Mais Sophie, c'est la première personne que j'ai recrutée dans cette maison à un moment très difficile, où la maison... Le mémorial allait très mal et elle a participé avec une espèce d'envie, de loyauté, de gentillesse quotidienne au renouveau de cette maison. Et donc oui, c'est toujours émouvant. Et puis c'est une génération aussi. On est de la même génération, elle et moi, donc on voit bien, elle et moi, que voilà, il y a un moment aussi, il faut tourner la page. Bon, je ne vais pas vous poser une question bateau, mais... Le rapport humain, c'est quelque chose d'important à vos yeux. Essentiel. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça. Et donc, elle remplissait tout ce qui, à vos yeux, était capital. Elle est toujours, elle restera une amie. Et quand je dis une amie, c'est pas un mot que j'emprunte comme ça. C'est une vraie amie, Sophie. C'est la seule, d'ailleurs. Elle est devenue une amie. Je n'ai pas recruté parce qu'elle était une amie. Elle est devenue une amie, c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. C'est l'une des rares que vous avez tutoyée. C'est la seule personne que je tutoie au mémorial. Comme ça. Pour qui? Pourquoi? Il y a des gens avec parce qui vous bossez que, depuis quelques années aussi. Parce qu'on s'est tutoyé avant qu'elle n'arrive ici. On s'est rencontrés 3-4 fois. Dans la conversation, on s'est tutoyé. Et puis, ne n'allait pas revenir sur ce tutoiement, c'est ridicule. Mais on avait... c'était... Sophie, elle a joué un rôle de... à la fois de porte-parole de cette maison, et pas seulement auprès de la presse, auprès de vous, auprès de tout un tas de gens. Et puis elle avait, Sophie, elle a l'intelligence, elle a une intelligence très fine des situations, des gens, et elle venait sans cesse me voir, me dire tiens, il y a ça, il y a un tel, il y a ta, tu devrais appeler machin. Voilà, ça c'est très important. Donc complémentarité, ouais. Totale. Ouais, ouais. Elle va vous manquer? Bah oui, elle va me manquer, ma Sophie, bien sûr qu'elle va me manquer. Mais à chaque fois que je perds un collaborateur dans cette maison, aujourd'hui, tous les collaborateurs de cette maison sont à leur place. Ça n'a pas été toujours le cas, mais aujourd'hui, ça l'est. À chaque fois qu'un collaborateur aujourd'hui s'en va, c'est une perte pour la maison. Je ne vais pas me répéter, mais on vous sent très ému. Ben oui, je le suis, oui. Je le suis, parce que j'aime cette maison et tout ce boulot de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans, on l'a fait ensemble. C'est pas... on l'a fait tous ensemble. Ce qui est devenu le mémorial aujourd'hui, c'est pas Stéphane Grimaldi, c'est 80 salariés de la maison. Merci pour ce témoignage.